Bonjour à toutes et à tous, c'est le Rêveur Perché. On se retrouve pour le radio vlog numéro 25. Voilà, on arrive déjà au 25. L'ancien donc date de 2019, si je me gourre pas. Enfin, c'était vers Noël et tout, enfin, je sais plus. Je vous fais un radio vlog parce que je vais vous expliquer en fait, tout simplement. Voilà, j'avais envie de vous le faire. Voilà, j'ai envie de vous faire ça. Je suis d'humeur à le faire. Il doit être. Je sais même pas quelle heure il est. Enfin, bref. Je vous fais un radio vlog donc pour vous dire un peu ce qui se réduit énormément sur ma chaîne. Je réduis énormément des choses. Je ne ferai pas de jeux vidéo, je pense, cette année. S'il y en a un seul que je vais peut-être vous faire un test en live, c'est Super Monkey Ball. Je ne sais pas si vous avez connu auparavant, c'est un jeu qui a été remasterisé, où c'était un singe qui avait dans une balle, et en fait, il y avait tout qui bougeait au niveau de l'environnement. Quand lui penchait à gauche, il y avait la map en elle-même, la carte, qui bougeait en même temps. Je ne sais pas si vous avez connu ça, j'ai connu ça sur GameCube, ça a été remasterisé sur PC avec des graphismes en HD, avec des niveaux tout repensés et tout, donc voilà, j'ai le jeu, donc je pense que je vous ferai un mini-test dessus quand même. Mais je revenais pour vous dire donc qu'on aura de plus en plus de radio-vlog, parce qu'au final, c'est vrai que encore une fois, le prendre en vidéo c'est une chose, mais voilà, les radio-vlog, j'ai dit que cette année j'y prêterai beaucoup attention. Vous avez remarqué qu'il y a quelques musiques qui reviendront, donc ça voilà, que je reprendrai ou que je remixerai à ma façon. Donc on va faire des radio vlogs. Donc on parlera des films que je regarderai cette année, énormément, parce que je veux vraiment mettre ça en avant sur ma chaîne et je veux vraiment mettre le côté jeux vidéo à part. Et donc énormément de musique que je ferai avec des textes que je me crée et des instrumentales aussi qui arrivent de bientôt. Voilà, je suis en train de me créer des instrus de mon côté, plein de nouveautés qui arrivent, bref. Voilà, je voulais vous faire ce radio vlog pour vous citer un petit peu vite fait tout ça et vous dire aussi que ça sera assez réduit mais que ça sera beaucoup plus rapide et qu'il y aura des vidéos donc qui seront beaucoup plus simples. Voilà, donc le principe du radio vlog, je le rappelle pour maintes et maintes fois, mais pour ceux qui ne le savent pas, voilà, il y a une image en fond. Vous n'avez pas ma tête, vous n'avez rien, pas de vidéo, mais en soi, vous avez juste ma voix sous forme un petit peu ce que j'appelle de radio que vous pouvez vous revoir, vous repasser, sachant que voilà, vous pouvez vous copier l'URL de la vidéo et si vous voulez vous l'écouter en hors connexion, c'était le but à la base de ce que je voulais faire en fait. Je l'ai appelé le radio vlog pour vous raconter un peu mon état, voilà des choses, ce que j'entreprends et tout ça. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. En tout cas, je voulais vous dire que voilà qu'on est de écoutez qu'on a tout ça qui arrive voilà et que cette année ça va être vraiment une année tranquillou sans truc trop compliqué. Je vous avais dit qu'il y avait un tournage de clip qui devait se trouver à Montauban. Il faut que je le décale encore une fois. Je vous jure, à chaque fois, ça me fait marrer ce que je vous dis que je vais le faire et je le fais pas. Vous devez en avoir marre, mais genre vraiment. Mais ça fait 2 ans au moins que c'est décalé, mais c'est hyper compliqué. Je suis obligé de trouver du monde et d'une certaine façon de trouver quelqu'un qui pourra organiser ça, ou alors à moins que je dois le faire, en tout cas moi tout seul, mais voilà, je prépare ça de mon côté tranquillou. Dans tous les cas, je fais des trucs très simples cette année. Voilà, vous parlez vite fait de moi, vite fait des films que j'aurais regardé, des musiques qui arrivent de plus en plus, donc voilà, avec des textes que j'écris moi et des compositions que j'ai fait sur FL Studio, pardon. Voilà, logiciel de composition de musique sur PC. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, et puis voilà quoi, je veux vraiment cette année faire des trucs très simples et sans prise de tête, sachant que voilà, il y aura beaucoup de musiques comme ça qui arriveront avec des paroles. Vous avez remarqué que de plus en plus je fais des musiques avec des paroles comme ça. Voilà, donc j'ai mes raisons. Voilà, après qui pourra comprendra. Je sais pas comment on dit, mais voilà. Mais voilà, en tout cas, je sais pourquoi je fais ces musiques, je les fais pour moi et voilà, et aussi pour que voilà, parce qu'il y a des choses où je l'ai fait en musique, c'est ma façon de dire certaines choses. Je n'ai jamais fait ça auparavant et j'ai eu ce déclic d'une certaine façon. J'arrive maintenant à écrire, composer et à faire ça tout ça en même pas une journée. Donc voilà, après pour ça, j'arrive à plier une musique, créer la musique et rajouter les paroles par la suite. Et voilà quoi, ça me vient dans la tête et j'écris au fur et à mesure.
Et voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Et voilà, c'était pour vous faire un petit radio vlog sur ça. J'espère que vous allez tous bien. On est 589 personnes à l'heure d'aujourd'hui où je vous parle. Merci. Merci. Et quoi vous dire de plus? Et puis voilà, donc bah, vous me verrez certainement tester le jeu vidéo donc de Super Monkey Ball, sachant que j'ai enlevé énormément de jeux vidéo. Vous ne verrez pas le jeu vidéo GTA sur mon PC, j'en suis vraiment désolé, je n'ai pas envie. Voilà, tout simplement, j'ai pas trop envie, voilà, c'est pas que je veux pas, mais voilà, j'ai pas trop de... Enfin bref, voilà. Mais dans tous les cas, de toute façon, on se récupérera sur Super Monkey Ball, qui vaudra beaucoup le coup. Mais après, voilà, pour le reste des trucs, ça va être tranquillou cette année, quoi. 2020, ça va être vraiment tranquillou, tranquillou. Avec quelques petits reportages à droite, à gauche, à la limite de ce que je ferai. Voilà, à la limite, je vous montrerai un endroit où je vais aller. Une petite surprise que je vous avais dit, que j'essaierai de filmer s'il n'y a pas trop de bruit et pas trop de monde, mais ça, on verra. Et bref, voilà. En tout cas, je vous dis, portez-vous bien, et puis faites attention à vous, et voilà, et surtout voilà, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous avez, dites-leur que vous les aimez, même si ces gens-là sont loin de vous, qu'il y a eu des circonstances qui ont fait que, mais vraiment, voilà. Et puis, n'hésitez pas à aller le voir, je le répète encore une fois, mais allez vraiment aller voir la chaîne du monde de Ludy. Voilà, une personne formidable et elle mérite vraiment toute votre attention, autant à vous qui passez ou qu'à des personnes peut-être qui me découvriraient pour la première fois ou pas. Mais allez la voir vraiment, elle a sa place sur YouTube et elle le mérite. Voilà, elle a sa place vraiment et a le mérite, je pense, d'être là comme tout le monde. Donc franchement, allez la voir. Elle a son monde à elle et tout, c'est un truc de fou en tout cas. Vraiment, n'hésitez pas. Je vous mets son lien de chaîne juste en bas de mes vidéos de toute façon. Et vraiment, n'hésitez pas. Voilà, il faut vraiment que vous alliez la voir, ça vaut le coup. Après, que vous aimiez ou pas, vous verrez de votre côté. Mais allez la voir, je pense que ça vaut le coup d'y passer quand même. Voilà. Je veux dire, j'ai jamais fait ça pour quelqu'un, mais une personne comme ça, quand même, voilà, le mérite. Franchement, ouais. Franchement, voilà, elle a son monde, elle a déjà son truc qui est un petit peu créé tout déjà de son côté. Elle a plein de réseaux sociaux, allez la voir. Voilà, petite parenthèse. En tout cas, bisous à tous ceux qui m'ont reconnu, bisous à tous ceux qui me suivent depuis 3 ans. Ça fait 3 ans que je suis sur YouTube, 3 ans et demi bientôt. Et puis qu'est-ce que je peux vous dire, ben voilà, toujours là, et puis content de revenir sur YouTube aussi, il faut quand même que je vous le dise, même si j'en ai pas vraiment trop parlé en plus. J'en ai fait qu'une seule vidéo sur le coup, mais assez content de vous retrouver et de toute façon de refaire des vidéos auprès de vous. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie et que j'apprécierai toujours. Voilà, en tout cas, à très très vite. Avec le rêveur perché, et puis voilà, pour la prochaine vidéo, ça je verrai en fonction, soit le jeu vidéo, soit un autre radio vlog ou une musique, voilà, dans tous les cas, vous aurez tout ça très très vite, voilà, en tout cas, à très bientôt, bisous, et on se tient au courant, ciao.